Tous. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Bonjour à tous. Nous sommes jeudi 22 février. C'est la Sainte-Isabelle. Bonne fête à moi. Bonne fête. Je sais pas si j'ai Isachineuse, donc bonne fête Isachineuse. Et j'en ai une autre, je crois. Bonne fête, l'autre Isabelle. Bref. De toute façon, vous verrez ça le 23 ou le 24. Donc, ce ne sera plus d'actualité. Peu importe. Qu'est-ce que je voulais dire? Il est 17h... à peu près 15, je pense. J'ai mal au bras. Je suis rentrée du boulot. Encore une dure journée, comme d'habitude. Et le must du must, c'est que tous nos réseaux ont planté. Donc nous, moi je travaille à un tel endroit, mais on a plein d'agences. On est éparpillé dans toute la France et tout a planté, l'entrepôt, le SAV, nous, les agences et tout, truc de fou, depuis 4 mois le quart. Donc c'est compliqué parce que vraiment tout a planté. Et là, ça arrive, des petites plantades informatiques et bon, c'est réparé dans les 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Mais là, quand je suis reparti, moi, ça faisait une heure. Non, ouais, une heure, ça faisait toujours rien. Donc on verra. Demain, si c'est réparé, j'espère que oui, sinon ça va être un gros bazar. Je ne vous dis que ça. David était là aujourd'hui. Demain, il va chez ses parents. Il va chez ses parents comme ça, il va voir sa fille qui est là-bas. Donc moi, je travaille. Et puis, je ne sais pas encore demain soir s'il rentre ou pas. Il va rentrer, mais est-ce qu'il va rentrer manger avec moi? I don't know. Hier soir, on s'est commandé du japonais. On avait tous les deux une grosse flemme de faire à manger. Et là, David, comme il a mangé là ce midi, il s'est fait du porc à l'ananas avec des carottes. Il en reste pour ce soir, donc on verra bien. Et puis, j'ai vu qu'il avait acheté une flamme cuche. Et non pas une flamme couche. Et qu'est-ce qu'il a acheté? Des tomates farcies, enfin, je sais plus trop quoi, bref. Donc voilà, donc on a de quoi manger. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai reçu... Donc... Ah oui, non, mais attends. J'avais complètement envie de vous dire... que j'avais aussi gagné un autre concours. Donc, l'autre fois, je vous ai dit que j'en ai gagné deux autres, mais j'avais complètement oublié de parler de celui de Kat, CA3T. À l'époque, l'époque de Noël, elle avait fait une vidéo, et c'est quelqu'un qui a plein de sapins de Noël, je les ai décorés ou non décorés, mais la plupart sont décorés. Et en fait, elle a fait une vidéo, et à la fin de la vidéo, elle nous a dit « Il faut que vous m'envoyez un mail en me disant combien vous avez compté de sapins. » Et voilà. Donc, en fait, on est trois à avoir gagné. Il y a Greg de Randman, Peggy du Piment de Peg, et moi. Il y en avait 11, elle a 11 sapins de Noël dans sa maison. Enfin, quand c'est la période de Noël. Et donc, bref, et j'ai reçu un... Donc, j'ai gagné. Par contre, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, c'est génial. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Comme ça, on va découvrir ensemble. Et j'ai reçu ce que j'ai gagné de la chaîne Maman de Jumeaux. Donc, je vais vous présenter tout ça. Je vais m'installer confortablement. Je vais les préouvrir pour pas faire trop de bruit. Et je vais essayer de m'installer confortablement à mon bureau. Je vais mettre un peu de lumière, même si ça va quand même, mais bon, ce sera peut-être plus agréable. Voilà, allez, j'arrive tout de suite. Voilà. Je me déshabille. J'aurais dû pas mettre le truc en plus. J'ai dit que j'allais les préouvrir, je ne les ai même pas préouvert. Je vais commencer par celui-ci. Oh, c'est mignon. Bon, maman de jumeaux, faut savoir que. Bon, elle a une chaîne YouTube, oui. Et est-ce qu'on me voit là? Elle fait beaucoup de carterie, elle fait de la... comment on dit, art créatif, c'est une manuelle. Et elle m'a fait une trop jolie carte. Trop belle. Qui est dans un petit plastique, je ne montre pas la carte tout de suite. Elle est trop trop belle. Elle se présente comme ça. Ce format-là, du papier gros ferré noir, un cœur. Une perle,
avec marqué Just Smile. Écho comme ça. Elle est trop, trop belle. Oh, t'écris bien. Bref. Oh. Elle est trop gentille. Elle m'a écrit un mot. Oh, c'est trop mignon. Ça me fait tout, ça me touche beaucoup. Beaucoup. Ce que tu as écrit. Voilà, je vous montre la carte. Et j'ai gagné. Attendez. Ça, My Bullet Journal. Donc, il se présente comme ceci. Ça. Ça va être un... Ouais, alors, attends, c'est un vrai bullet journal. Donc, il est hyper fleuri. Avec... Vous voyez, là, les petits machins, ça brille quand je fais ça. Je pense que vous le voyez. Et dedans, c'est vraiment un bullet. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, c'est des petits points. Donc, voilà. Donc, en fait, moi, je ne sais pas... This bullet journal belongs to... Voilà, donc je suis super contente. En fait, je savais même pas que j'avais gagné ça. Enfin, je me rappelais pas du tout. Je savais plus si elle l'avait dit ou pas. Mais bon, bref. Donc moi, je sais pas à quoi je vais m'en servir exactement. C'est vrai que quand je vois plein de vidéos de boulettes, j'ai envie d'en faire. Mais vu comment je suis trop nulle en art créatif, ça va être compliqué. Donc, c'est bon, il est abîmé là. Les pages qui sont abîmées, c'est dommage. C'est pas grave. Donc, je te regarde les idées. Ah ouais, il y a plein de trucs là aussi. Voilà. Ah ouais, oh, c'est pas mal parce que regardez. Il y a un exemple de Weeklog. C'est joli quand même. Des exemples de décorations qu'on peut reproduire. Enjoy this sweet moment. Ah, c'est super. C'est des. Il y en a d'autres. Des citations. Alors en fait, il est très épais. Et je pense que je vais peut-être m'en servir pour faire mon suivi YouTube. Mais en fait, je pense qu'il va falloir que je me penche sur la question pour savoir comment je le décore. Et je pense que moi, ça va être ultra, ultra simpliste. Mais ça peut être. Ça peut être sympa, je regarde ce que j'ai comme feutres qui sont bien. Donc bref, je vais pas y passer 3 heures. Et donc merci beaucoup maman de Jumeau, je suis super contente. Voilà. Je vais passer au colis de 4. Voilà par contre. Mais t'es folle. Je vais l'ouvrir un peu comme ça à l'arrache. Il y a plein de cadeaux dedans. C'est parti, c'est génial. Ah, c'est trop mignon. Ah, c'est trop chaud, bidou. Alors en fait, c'est tout doux. C'est un soit un porte-clé, soit un comment ça s'appelle, une déco de sac. Putain, bref, je sais pas comment on verra. Avec de petites oreilles de lapin. Donc j'adore, c'est trop trop mignon. Je trouve ça trop mignon, trop cute. Merci ma cote. Ensuite. Oh. J'adore les foulards. Donc c'est un foulard. Ah mais il est beau. Alors il est comme ceci. Avec des pois et cette couleur là. Hop. Ah, j'adore. Ah, il est top. Il est topissime. Je vais alterner avec celui... Ah, il est beau, j'adore, Kat. J'adore. Tu as très bien choisi. Ah, je suis contente. Ça, ça a une forme de tag. C'est pas un tag. Oui, alors c'est écrit en portugais, donc c'est un masque, je pense. Mascarilla. Anti-edad. Anti-âge. Je parle, en fait, je crois que je parle couramment en portugais. À la... Ça doit être quoi? C'est de la grenade, ça? Je sais pas.
les masques Sienne. Ah, Sienne, c'est Lidl. Je pensais à Action dans ma tête, je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc, ça c'est super. Merci beaucoup. Ah, il y a une carte. Ah, elle est trop belle cette carte. Elle me dit, eh oui, cette carte était pour toi. Elle est trop belle. Il est marqué que tes rêves deviennent réalité. Elle est magnifique. Avec les petits diamants là. Avec le petit ruban. Elle est trop trop belle. Merci. J'adore. Je vais la mettre dans ma boîte à cartes. Ah bah la carte de carte. La carte des mamans de jeunes aussi. C'est génial. Hop. Elle est trop forte cette carte parce que... Je suis fan du foulard. Hein. Pardon, c'est excellent. Souvenir du Portugal. Et c'est un magnète. Oula, je vais... Voilà. Et en fait, je trouve ça, je sais pas si vous avez vu mon frigo. Mais je fais collection de magnettes, ou je faisais, enfin je fais encore, mais j'ai plein de magnettes sur mon frigo, donc celui-ci, il va aller les rejoindre. Il a un petit bête là, c'est pas grave, ça se verra pas. Je suis trop contente. Portugal. Portugal. Topissime. Ah ouais, les petits mots cassés, ils sont à l'intérieur. Ils sont minuscules, donc je vais pas m'amuser de les recoller. Mais ça n'en finit pas. Oh, elle est belle aussi cette carte. Bonne Saint-Valentin. Et oui, tu auras deux cartes, lol. En effet, la première a été décidée depuis un bail. Celle-ci accompagne le lot qui, j'espère, te plaira, que tu as gagné mon petit jeu. Elle est trop belle. Le cœur, le petit nœud, la petite fleur et le tamponnage. Bonne Saint-Valentin. Super. Bah, c'est cool, ça me fait une carte de plus à mettre dans ma boîte. Où j'ai mis la carte de... Et donc ça c'est du... On a la carte de jumeaux. Bon, ben. Et il me reste un dernier petit paquet, il y en avait plein. Ah c'est cool ça. Très sympa. Ce sont des petites pochettes comme ça. Bon, c'est des pochettes, c'est des portes documents on va dire. Bon, j'appelle ça comment? Je sais pas s'il y a un nom. Dossier. Ça, c'est super sympa et il y a deux tailles. Moi j'ai une petite pochette dans mon sac où est-ce que ça rentre dans mon sac? Ça peut rentrer si tu sais la petite. Ça c'est une très bonne idée 4. Mettre les documents en cours, formulaire d'ordonnance ou quelque chose comme ça. Enfin, moi c'est juste, j'imagine déjà ce que je sais déjà ce que je vais mettre dedans, donc c'est parfait. Donc, bon, j'ai foutu tous les papiers par terre, il y en a partout. Merci beaucoup Kat, parce que tu m'as ultra gâtée pour ce concours, c'est top, j'adore tout tout tout. Je suis fan de mon petit truc là, mais je sais même pas, j'ai envie de le garder, enfin, de me le garder en doudou. Je sais c'est con, mais bon, bref, je suis super contente. Donc merci beaucoup pour ce super concours, je suis contente de l'avoir gagné, c'est trop top. Et puis merci à Maman du Jumeau, parce que je suis contente d'avoir gagné Bullet Journal, et je suis surtout, je suis très heureuse de ce que tu as écrit. C'est hyper touchant, quoi. Hyper touchant, et ça, c'est... Ouf. Bref, c'est plus important que tout le reste, les mots comme ça. Donc voilà, les filles. Les filles et les garçons. Je vous fais... Donc, je pense que je vais clôturer là, parce que j'ai parlé sans arrêt. Il y a beaucoup de choses à vous montrer. Donc, je vous fais plein de gros bisous. À tout le monde, hein. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, etc. Voilà, je vous adore tous et toutes. Bisous.